Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Bon, désolé les gars, sur YouTube, je vous ai vraiment oublié. J'ai pas mal de merde dans ma vie là. D'ailleurs, je suis blessé au cervical. Donc, la pêche en bateau en ce moment, c'est pas pour moi. Par contre, j'ai plein de vidéos et plein de photos à vous montrer avec pas mal d'astuces. Donc, je vais vous mettre plusieurs vidéos. Hein. Je vais me rattraper un peu sur YouTube parce que j'ai pas mal posté sur Facebook, sur Insta ou autre. Mais par contre, j'ai complètement zappé YouTube. Donc, là, je vais vous mettre pas mal de vidéos, pas mal de petites astuces. Hein, là, on va commencer aujourd'hui sur alors le ténia. Est-ce qu'on met du calamar ou de la gambasse? C'est bien d'alterner les deux. Si vous êtes plusieurs sur le bateau, c'est bien de mettre un gars ténia calamar, un gars ténia gambasse. Voilà. Et après, si vous êtes trois, un troisième au madaï, parce que c'est toujours complémentaire, hein, ténia madaï. Je vous ferai une autre vidéo sur le madaï pour vous expliquer l'animation, tout ça, on me l'a demandé. Donc tout ça, je vous expliquerai. Là, aujourd'hui, on va faire uniquement une vidéo sur le ténia gambasse. Donc ténia gambasse, vous avez vu, il y a plein de vidéos, c'est toujours la même chose pour le monter. Alors j'ai des petites astuces pour, vous les avez dans d'autres vidéos, hein, pour les astuces pour la dorade, hein, donc avec tête enlevée, carapace enlevée avec la scie cachée dedans, ça c'est vraiment pour la dorade, ou pour les dorades grises, donc on garde la tête mais on met un petit bout de tentacule de calamar ou de tentacule de sèche ou une lamelle de calamar. Une fois qu'on a piqué la scie sur la tête, hein, ça vous les avez sur d'autres vidéos, mais là ce qui est important c'est de savoir. Est-ce qu'on met de la gambasse ou du calamar? Parce que souvent on pêche que à l'un, que à l'autre, et c'est vraiment une erreur. Parce qu'il y a des jours où vraiment vous allez massacrer à la gambasse, il y a des jours où la gambasse ça ne tapera pas. Et par contre, au calamar, vous allez vraiment faire la différence et faire des très très gros poissons. Donc là, je vais vous poster quelques beaux poissons, hein, vous allez voir pas mal de photos. Des poissons entre 5 et 8 kilos, hein, le plus gros pagre qui a été fait par mon pote Eric cet hiver, un pagre de 8 kilos, il a fait un doublé, vous allez voir sur la vidéo, il y en a un de 6, un de 8. 8 kilos, c'est vraiment gros, et je l'ai dans les mains après, c'est vraiment énorme. Donc là c'est ténia. Alors pour lui et pour certains clients, vous savez, moi je fais mes ténia. Donc pour logiquement 17, 25, 40, 60, 85 grammes, c'est en simple assist. Et on me le demande souvent, donc le 85 grammes, souvent pour les clients, si on me le demande, je le mets en double assist. Donc là mon pote Eric, il veut tout le temps en double assist parce qu'il aime bien la forme du ténia 85 grammes, hein, ça crée un courant et en fait ça fait nager le calamar, donc c'est un petit peu plus efficace. Voilà, par contre, bah, ça a toujours ses limites, hein, 85 grammes, voilà, 100 mètres de fond, on va être dépassé, donc il va falloir passer sur le 120 grammes. Donc voilà, toujours commencer. Alors pour moi, hein, moi ce que je fais, je commence toujours ténia gambas, hein, je fais une, deux dérives, si ça ne tape pas ou si j'ai pas quelque chose d'intéressant, hop, je passe au ténia calamar. Si je suis seul, je mets deux cannes, j'ai tendance à mettre un 120 avec calamar et un 85, ça dépend des profondeurs, hein, voilà, vous mettez toujours un ténia avec calamar et un ténia avec gambas. Voilà. Sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit, 140, 120 grammes, là je mets en double assist, hein, si on met en double assist automatiquement. Et à partir du 85 grammes, si on me le demande, je mets en double assist également. Pour les boîtes, pareil, beaucoup de gens me demandent, je vais peut-être pas me servir des 140 grammes parce que j'ai pas assez de fond, je vais peut-être pas assez me servir des 17 grammes ou des 25 grammes parce que justement j'ai trop de fond chez moi, je vais commencer à 40 grammes. Donc les boîtes, alors le plus important, c'est, alors j'ai fait ces boîtes, pourquoi? Pour pêcher en tout lieu, toutes circonstances et toutes conditions météo. Donc ça m'intéresse pas que vous ayez des boîtes, quoi, des leurres dans vos boîtes pour les balader, c'est inutile. Donc souvent, ceux qui n'ont pas besoin des 17 et des 25, et ben, on commence direct à 40 grammes. Donc on va mettre 2,40, 2,60, voilà, on s'arrange, on met plus de madaille. Voilà, les boîtes sont modifiables, il n'y a pas de problème. Allez, je vous mets ça en vidéo, comme ça vous allez comprendre. Donc bonne vidéo à tous et j'espère que ça vous sera utile, hein, de bien comprendre qu'il faut essayer les deux appâts. C'est toujours important d'avoir plusieurs appâts, comme quand on pêche en surcasting du bord. Ben, ça sera la même chose. Bon, là, comme je suis blessé, vous allez avoir sûrement des astuces, hein, pour cet été, des astuces du bord également. Je suis blessé, je ne peux pas aller en bateau. Donc, j'ai 3-4 vidéos à vous poster là pour le bateau. Donc, une à Madaï, on me le demande tout le temps, donc je vais la faire. Et après, ça sera plusieurs pêches du bord, ça sera plus intéressant pour ceux qui pêchent du bord et qui n'ont pas de bateau. Par contre, là, je vous parle de la gambasse et du calamar. Vous pouvez mettre également d'autres appâts. J'ai vu que certains arrivaient à coupler, ils mettaient une gambasse. Par-dessus, il mettait une sardine ou un anchois qui ligaturait. Donc ça fait double produit olfactif. C'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre d'autres appâts également. Hein, pour ceux qui habitent, je sais pas, vers Fos-sur-Mer, tout ça. Là-bas, il y a énormément de moules. Les dorades mangent énormément à la moule. Donc vous pouvez aussi mettre de la moule, hein, sur le ténia. Vous pouvez mettre du couteau. J'ai essayé, ça marche très très bien le couteau. C'est pas naturel, on est d'accord.
mais ça marche bien. Du bord, j'ai fait des dorades avec. Donc vous pouvez mettre d'autres choses, vous pouvez mettre de la piade, vous pouvez mettre vraiment tous les appâts qui vous passent par la tête. Hein. C'est vraiment intéressant de mettre plusieurs appâts. La sardine seule, vous pouvez la mettre, ça tient pas très bien à l'hameçon. Hein. Par contre, je l'ai essayé. J'ai essayé ça sur des tasses, j'ai fait des dorades. Voilà, donc ça marche, j'ai fait plusieurs tests. Si vous avez d'autres idées, des trucs intéressants, n'hésitez pas, marquez-moi en commentaire. Je testerai à l'occasion, ça peut vraiment être intéressant. Je pense que tout appât peut vraiment être présentable sur un ténia. Allez, bonne vidéo à tous. C'est un serpent. Ah, je pense pas que ce soit un serpent. Il ouais. Est quasiment plus coupé. Ouais, un congre, c'est un peu plus. Ah, c'est un peu plus vigoureux. Ouais, ouais, ça dépend. Ouais. C'est un gros départ. Ça. Surprise. 20 mètres. 20 mètres, c'est plus coupé. Y'a pas quelqu'un avec le sable? T'inquiète, tu vas être là, on va le voir. Viens, 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 je vais te poser tout ça. 9 mètres. Ah. Oh, c'est un poisson. Et là, oula, ça arrive. Non, 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 non. C'est un gros poisson, c'est un beau poisson. Oh, joli, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est incroyable. Yes! Ça, c'est beau! Il est beau, hein? Ah, il est magnifique! Impression? Allez. Ah, bien! C'est bon, ça! Ah, c'est trop bon! Magnifique, pas joli! Super! Ah, dur la pêche électrique! Ah, le mec il rentre comme ça, normal, quand il est là. Il remonte ses poissons, normal. Bon, moi si j'en ai un, il va falloir le remonter. Ah, je pense qu'on voit bien. Très bien, hein. Voilà. C'est quoi le kilo, un peu plus? Merde. Ah, nickel. Hein? Tu veux plus d'un kilo, tu penses? On va voir. Ah, plus d'un kilo. Et voilà, Fertiti, normal. Ouais, c'est à moi. Très belle grise. Tiens, il passe ta kilo. Bravo. Un petit Noki là de Murène. Ouais, tu m'entends? Voilà, moi je pense pas. Ouais, il part toi. C'est vraiment de la merde ces poissons. Ah, ça y est, on va passer parti.